Allez, on est parti. Oscar est là, il y a Ronnie et puis le guide qui est là-bas. C'est dur là. Poisson! Easy. On a passé un moment incroyable avec Cybèle, avec Oscar, c'était ouf. Oui mon ami. Salut Bastien, comment tu vas? Salut Oscar, ça va nickel et toi? Mais écoute, très bien. Particulièrement bien parce que j'ai quelque chose à te proposer, mon ami. Écoute, avec Fish Explorer, on va travailler maintenant avec une nouvelle marque suisse qui s'appelle Stucky Fishing. Ok. Et à l'occasion, si tu veux, de cette nouvelle collaboration, on nous propose d'aller visiter l'usine de fabrication des cuillères Stucky Fishing. Ok. Et ensuite, d'aller pêcher à 2000 mètres d'altitude sur un lac gelé. Ah, le truc de fou, t'es sérieux là? C'est pas une blague? C'est pas une blague. Ok. C'est pas une blague. Alors, si t'es chaud, bah chaud, c'est de façon de parler, ouais. Parce qu'il fait moins 11 là-bas. Hein. Ah ouais, moins 11. Donc, si ça te dit, bah écoute, tu viens quand tu veux en Suisse. Tu me connais, Oscar. Moi, ce genre d'expédition, j'ai envie de te dire oui direct. Donc, avec grand plaisir que de démarrer cette aventure carrément. Let's go, on va explorer. Allez, à toutes, salut. Bon, on est à mi-chemin, petite pause. Il fait déjà très froid. J'arrive à l'usine de Stucky dans à peu près 2 heures. On va aller se prendre un petit café, manger un petit bout, parce qu'on est parti tôt ce matin. Il fait déjà super froid, donc ça promet au-dessus de la montagne. On se retrouve directement à l'usine de Stucky pour rencontrer tout le monde et voir un petit peu tout ce qui se fait à l'intérieur. Ça y est, regardez, nous voilà à l'intérieur de l'usine de Stucky Fishing et on va retrouver tout de suite Oscar. On a l'équipe là-bas de Stucky et on ira voir Flo de Fishex juste après. Mais avant ça, je vous présente mon acolyte. Hello, qui va faire partie de l'aventure. Salut, comment ça va? Là, on est où? On est au cœur de l'usine de Stucky où ils fabriquent les cuillères artisanalement. Artisanalement, regardez ça. Petite usine, tout est fait à la main, tout est peint à la main. Et alors, Bastien, on aura la chance de voir comment ça se fabrique et peut-être même de pouvoir faire les nôtres. Le côté qui va être sympa, on va pas pêcher avec les cuillères demain. Par contre, celles qu'on va fabriquer, on va pêcher après à partir de l'ouverture de la truite. Toute la saison. Donc ça va être hyper intéressant et je vais vous faire un peu découvrir tout ce qui se passe ici et bien sûr l'expédition de demain. Avant ça, on va aller voir un petit coup l'équipe de Stucky avec Flo de Fish Explorer pour comprendre un petit peu, parce que j'ai besoin de lui pour la traduction, comment il fonctionne et tout ce qui se passe dans cet endroit qui est ouf. Regardez toutes les machines, regardez. C'est magique. C'est incroyable. Genre on dirait l'atelier de nos grands-parents. Quoi. Exactement. Bon allez, trop bien. Nous en tout cas on se donne rendez-vous tout à l'heure au bord de l'eau ou au bord du trou d'eau? Au bord de l'eau gelée. On a ouais, c'est ça. Alors rapidement pour vous tous, Stucky Toon, donc Stucky Fishing maintenant, est une société qui a quand même plus de 100 ans d'ancienneté. Alors ce qu'ils ont fait en fait surtout et avec laquelle, ce qui les a rendus connus, c'est les cuillères. Donc ils ont fabriqué des cuillères il y a plus de 100 ans maintenant pour les eaux suisses. Hein, donc ils sont des eaux surtout salmonidées et à carnassier. Comme il expliquait, les produits phares vont être surtout de la cuillère. À côté de ça, ils ont développé aussi toute une gamme de poissons nageurs, de poissons, tout ce qui est leur souple et bien sûr des cannes et des moulinets. Donc vraiment super produit, j'ai tellement hâte de tester tout ça. Ça va les amis?
Vous êtes prêts pour l'aventure ou pas? Attends, je vais la jouer stratégique. Je vais faire comme ça. Voilà. We need to buy something. Ça y est, on décolle. Regardez, on voit super bien le paysage. Non, si belle. Si belle. Si belle. Oui. Bastien. Bastien. Nice to meet you. Gusti. Nice to meet you. Gusti. 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 Ok, nice to meet you. Oh là là, père toi. Attends, voilà. Maintenant, je te prends ça. Et là, ça va être drôle. Attends, faut que je connaisse. Everything okay, thank you. Oh. Ça y est, on est arrivé, les amis. Je vais aller voir s'ils ont des mains et des pieds en vente au magasin. Et puis, je reviens vous voir. All stuff for ice fishing and the big shoes and there go in this room. Okay. Okay. And the camera equipment, laptop. With us. Yeah, you can. Okay, okay, thank you. Allez. Oh yes. Ah oui, ça c'est mes chaussons. Regarde. Oui, oui. Super. Donc là on va manger là les amis ce soir. Hello. On va manger là ce soir tranquille, on va aller s'installer dans la chambre. Je suis quoi moi, je suis 102 104 104. Nickel. Cybèle, tu te sens bien ou pas? Ouais. C'est vrai? Il y a intérêt hein. Oscar, on y go? On y go. On est prêt. On est habillé jusqu'à la tête là. Et là on a notre motoneige, regardez ça. Regardez l'engin quoi. C'est un avion de chasse, 5 minutes de trajet, on se retrouve au lac tout de suite. On est parti. 5 minutes de trajet. Allez, on est parti. Oscar est là, il y a Ronnie et puis le guide qui est là-bas. Je vous dis pas la quantité de neige. Heureusement qu'on a des raquettes parce que sinon on n'arriverait jamais au point final. L'expédition est complètement folle. Je vous jure que s'il y a du poisson derrière, vous allez vivre un truc de fou. Dinguerie. C'est une dinguerie totale. Ça fait 10 minutes qu'on marche, on arrive bientôt pour pouvoir faire le premier trou et pêcher. Avec le matos pour filmer. Et puis la marche dans la neige en raquette, c'est une vraie expé quoi. La vache. Par contre, c'est incroyable. Comment c'est beau. Bon les amis, bien voilà, regardez. On se retrouve directement sur le lac, comme je vous ai dit, après avoir visité l'usine de Stucky pour comprendre un petit peu tout ce qu'il faisait. On était sur un monde de cuillère tout à l'heure. On les testera bien sûr en vidéo sur des rivières. Mais aujourd'hui, je suis avec Oscar. Et Cybèle qui est juste là-bas, et toute l'équipe de Stucky qui est un petit peu plus derrière dans une autre partie du lac. Et on va pêcher sous ce lac. Oui, oui, je suis dessus. On a commencé à creuser des trous et on va descendre en fait un petit leurre dans un trou d'eau sous 10 mètres de fond en moyenne pour essayer d'attraper tout ce qui mord. Et je crois qu'il y a 8 ou 10 espèces différentes de salmo. Et regardez, c'est ce petit leurre-là, ça va être mon meilleur ami aujourd'hui. C'est le Vertical Bouncer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est dans plusieurs coloris. On vous laisse avec les images. J'espère que vous allez vraiment adorer. N'hésitez pas à nous soutenir parce que ça va être une aventure de fou. Bon visionnage à tous et à très vite. Bon allez, c'est parti.
le coloris orange, c'est incroyable. Ça, ça se trouve sur les cendres, ça va grave marcher. Ouais, clairement. Ça te mouille, ça gicle un peu. Oh, t'inquiète. Ah, c'est dingue de se dire qu'on est sur un lac. Voilà ce qu'il vient de faire. You can see the abyss. Ah oui. Check the ice first. Ok. Ah ok. So you can see how... Pour voir la profondeur. En fait, il va voir la profondeur du trou. Et là, on est bon là. C'est épais. 58... Hein. C'est épais, ouais. Il y a combien? 48 centimètres. 48 centimètres. Cet après-midi, il va faire chaud, hein. Ah oui, ouais. Du coup, je pense, ouais. Ah ouais, ouais. Mais plié en deux. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Ça va être drôle. Ouais, c'était trop drôle, là, la séquence que tu m'as envoyé. Ah, mais... Oh merde. Non. Oh, j'ai pris une énorme cartouche. Je m'y attendais pas du tout. Ah, c'était costaud, mais j'étais tellement surpris, en fait, que... Je m'y attendais pas. Ça va vite, hein. Ça va très très vite. Hein. Bon, c'est comme la verticale aux cendres. Hein. C'est exactement okay. Pareil. T'es à l'arrêt et ta canne elle fait pouf comme ça. Ouais ouais. On entend le grelot là-bas. Là c'est une autre technique là. Une autre technique de pêche. Il y a le grelot qui a retenti. Ah ça c'est au bouchon. Oh là là. Énorme. Ça faut qu'on essaye ça Oscar. Hein. Au ver de terre. Ah, décroché. Ah, dommage. Je l'ai vu. Ah oui, I saw the fish. Petit grelot, il pêche au bouchon avec teigne. Pas ver de terre, teigne. Et puis il y a eu le grelot, tac, 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 tac. Et puis il touche. Excellent. Allez, mon pote. On va y arriver. On va y arriver. Oh yes, yes. Oh la cartouche toi. Nice. Bastoc, il est en train de nous faire un poisson. C'est pas gros. Arc-en-ciel. Voilà, un petit arc-en-ciel. Ok, avec le vertical bones. That's a rainbow trap. Yeah, rainbow, yeah. Yeah. Excellent, bravo voilà. Bastoc. Avec le orange, on a changé il y a pas longtemps avec celui-là. Trop bien. Super. Je fais quoi, je la remets, non, on la garde? La release. Ah, can I apporter une... Sure not. Non, no. Ok. Ah, parce que là, j'ai gelé, je pense. Ouais, ouais. Put him one on the. Okay. On the face and then cut. It's not a problem. I explained to the public. I am in Switzerland, so it's in Switzerland. Voilà, beau poisson. On va la garder. On va se la manger. Alors, une information que vous devez savoir. La pratique du no-kill en Suisse depuis 2009 est strictement interdite. Tout simplement parce qu'elle enfreint la loi fédérale sur la protection des animaux. Chaque pêcheur est obligé de tuer sa proie pour ne pas la faire souffrir gratuitement. La Suisse est un des seuls pays au monde à interdire cette pratique. Bon les amis, pour marquer le coup et par rapport à ce démarrage avec cette nouvelle marque Stucky Fishing avec Fish Explorer, on a voulu vous offrir quelque chose de fou et c'est Oscar qui va vous en parler un petit peu. On vous explique juste après les modalités pour gagner cet ensemble. Alors c'est la Silver Dust Spin de chez Stucky Fishing. Elle est en 195 cm, elle lance du 1,7 g. Le coloris est vraiment super, il est en mode aventure camo. J'adore, le moulinet est en combo avec, c'est aussi un moulinet Silver Dust. Et la tresse est aussi une tresse Stucky, donc franchement, un bonheur de pêcher avec cette canne, un super cadeau. Ouais, super. Et du coup, voilà, on veut vous en faire profiter aussi un petit peu pour tous les passionnés de truites, surtout que ça va être la belle saison. Donc, c'est un jeu concours qui va avoir lieu donc, sur ma chaîne et
sur la chaîne Fish Explorer, donc vous avez deux fois plus de chances de gagner, vu qu'on va en faire gagner deux. Les modalités, c'est simple, vous les connaissez déjà sûrement, il faut être abonné à ma chaîne, donc la chaîne Bastoc, il faut être abonné à leur toute nouvelle chaîne Fish Explorer, on mettra tous les liens en description, et il faut que vous marquiez un petit commentaire, n'importe lequel, lâchez-vous, dites-nous un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cette aventure, et vous serez du coup sélectionné pour le jeu concours. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça va vous plaire. Nous on pense que c'est une bonne idée pour vous tous, pour marquer le début de cette aventure. Ah ouais. Et puis on se dit à bientôt et surtout à dans deux jours sur leur chaîne pour participer encore à ce concours. Deux fois plus de chances de gagner. Bonne chance! À bientôt, salut! Ah, poisson. Poisson, poisson, poisson. Il y a Oscar et Cybelle qui sont là-dessus. Génial. It's big. Nice one. Yeah, cool. Elle est magnifique! Good hole, good hole. Good hole. Good hole. Good hole, a nice fish. It's a nice fish, yes. Ah, yeah. Ok, cool. Non, moi je vais pêcher après. Hein. Ah oui, non, après il faut. Voilà. Wouah, ça tire. Ça tire là. C'est gros, Yannick, il est en train de dire. Même. Dan hebben we lagen met de GoPro in, dat zijn we dan klaar. Oh, dat gaat ook gooien. Dat tapt, daar. After, after, Ronnie, no problem. We have all the day, we need to after. Oké. Because we're not ready. Kijk omhoog. Oh, ça a l'air d'être beau. J'ai juste vu la tête dépasser. Oh, 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 magnifique. Magnifique. Encore un nouveau chevalier. Oh là là, magnifique. Poisson. Allez, poisson. Poisson là-bas. On va y aller. On va aller regarder ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça a l'air d'être très beau ce qu'il a pris là. Oh, ça tire. Le moulinet il grince. Oh la vache, it's big, non? Il hausse les épaules, mais. Oh la tête est énorme. Oh la tête est énorme. Oui, bravo! Génial! Oh, oh, magnifique, Gusti, bien joué. Wow. Quel poisson. Incroyable, magnifique. Regardez-moi ce beau poisson encore. Comment il s'appelle le guide déjà? Gusti. Rusti? Gusti. Gusti. Gustave, mais c'est sûr, c'est Gusti. Ah, ok.
Allez, on y retourne, on va changer de leurre. Je vais vous montrer un petit peu la petite boîte que je me suis faite. C'est tous les leurres vertical windsurf qu'on a eu. Donc on a tous les, on a pas mal de coloris hein. En blanc, ils sont super beaux. Regardez celui-là, c'est celui-là que je vais essayer. Je sais pas pourquoi, il m'a dit le couleur orange-rouge, ça marche bien. Donc on va essayer celui-là. Pour l'instant, on a pêché avec le jaune. Et on va voir si celui-là, ça donne vraiment quelque chose. Ils ont une nage qui est vraiment pas mal, moi j'aime beaucoup. Allez, hop, parti. Ah, attends, ça tape, ça tape, ça tape. Ouais. Ouais, ça tape. Ça tape, ça tape. Putain, ça a tapé. Ah oui, putain, j'ai pas compris. Oui, ça tape, mec. Ouais, ça joue avec le vertical bouncer. Hein. Ouais. Ouais, on voit le sillon. Ouais, ouais, c'est ouf, c'est ouf, hein, c'est ouf, c'est de tout petit. Je sais, un petit poisson nerveux. Ouais, c'est un petit poisson, je pense. Là, encore. Regarde, 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 regarde le sillon. C'est pas gros. Regarde. Ouais. Je l'ai. Oh, magnifique. C'est ça, mec, si on est ouf, magnifique. C'est ouais, ouais, petite, je crois qu'elle est un petit peu plus grosse. Ouais, c'est une arc-en-ciel. Oh oui, elle est plus grosse. Ah, c'est pas une arc-en-ciel, c'est... Wow. Oh, oh, oh. Yes! Yeah! C'est un omble! Un omble! Voilà. Regardez! 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 On a tout en direct! On a les touches! On a tout ce qu'il faut, quoi! Incroyable! Génial! I had many, many. Yes! Video for this action! Incroyable! Regardez! Trop mon premier bien. Omble! Si je dis pas de bêtises, on vérifiera, mais le premier nice. Omble! Bon, les amis, c'est l'heure du casse-croûte! Casse-croûte fait maison. Ah, ça va, il a pas gelé. Nickel. Donc on va pas perdre une seconde. On va manger, mais en continuant de dandiner. C'est quand même beau, ça. Alors, je t'avoue que je vais m'asseoir un peu, moi, quand même. Comme ça. Vas-y. Allez, on va bouger avec Cybèle et Oscar, on est en train de réfléchir un petit peu où est-ce qu'on va aller. On est resté un peu plus longtemps sur nos trous parce que du coup on avait quand même des touches, on a fait quand même... Oh, loupé ! Non ! Si, je te jure. Et à chaque fois que tu veux partir, tu fais un poisson. Ouais, ouais. Attends, attends, il est peut-être sur place encore. Non ! Il est là, il est là, il est là. Le sion il bouge, c'est, il se tourne, c'est chiant. Non, je crois que je suis emmêlé. Yellow one. Yellow one. Yeah, and me red. Red. Red one. Yeah, red one. I have the white one now. Ah, white one, ouais, donc c'est cool, comme so ça. Ouais. Ouais, voilà. Il explique qu'on a trois coloris différents et comme ça c'est hyper intéressant. On voit comment les poissons réagissent. Pour l'instant, ils réagissent aux trois coloris quoi. Donc ça se trouve, c'est vraiment la nage du leurre qui intéresse aussi les poissons. C'est con, au moment où je dis qu'on change de trou. Allez, c'est pas grave, c'est la pêche. Let's go. T'inquiète, on va aller à l'autre. Ouais, 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 c'est clair. On a jamais vu. C'est ça. Allez, on va vite aller vers les mecs là-bas. Ils ont pris une Fario. Ah, c'est sport, hein. T'as le trou. Je suis plus vite que toi, si belle. You run it. Oh, yeah. Oui. C'est Ronnie qui a pris le poisson. On s'excuse de respirer comme ça. Ah, la vache. Y'a Ronnie qui a fait un bon poisson pour le Fario. Ouais, wow. Super. Pas sport d'aller c'est faire de la vidéo ah quand mais même. Non, mais c'est extrême. C'est énorme. On en peut plus, je pense que ça se voit à nos visages, on est cramés. C'est le 8ème poisson, je crois, de la journée. Génial. Bon, les mecs, ils sont forts, hein, donc ouais. ils savent vous pêcher, mais c'est la première Fario qu'on fait sur la journée. Par contre, chaque fois qu'ils font un poisson, ils sont à 500 mètres de nous. Bon, c'est génial. J'espère que vous vous éclatez autant que nous, hein, vraiment. Bon, on va tenter un dernier truc avec Oscar et Cybèle.
c'est qu'on va retourner sur la zone où il y avait, c'était très actif tout à l'heure, parce que là on vient d'enchaîner des trous où il n'y a pas du tout d'activité. Et donc pourquoi pas peut-être tenter le coup, et en tout cas faut que ça change, là ça va pas. Bon, je vais remettre un autre coloris. Je vais rechanger. Voilà, je vais essayer avec ce petit leurre. Je vous mettrai le nom si jamais j'arrive à faire un poisson avec. Et ça, ça descend très très profond et ça fait vraiment des... Ouais, voilà. Ça fait vraiment des grosses vibrations. Et c'est... Je sais que ça marche, ça peut marcher très très fort, quoi. Par contre, à mon avis, il faut que je mette des coups. Oh, j'ai une coupe. Oh non, loupé! Tiens, tu vois le moulinet, il a déconné. En fait, je crois que j'appuie trop fort, je mets mon pouce. Ça se trouve, il y a même le poisson au bout, je sais pas. Je savais que ça pouvait le faire, mais il faut que j'enlève mon pouce, en fait, de... Eh bah oui! Attends, ça se trouve, il y a le poisson. Non, il n'y a pas le poisson. Oh là là, je suis dégoûté. C'est reparti. Ça, c'est génial. Quand tu changes de leurre et que tu as une touche au premier lancer, incroyable. Si j'arrive à faire un fish avec ça, les mecs, ils vont être dingues, à mon avis. Parce que ça se trouve, ils pêchent jamais avec. Tiens, il y a... Poisson! Oui, je savais qu'il fallait que je le fasse. Ça doit être une arc aussi, je pense. Ouais, grosse, belle arc aussi. Voilà, c'est ça la pêche, les copains. Voilà, avec le petit leurre, prendre des initiatives, changer de leurre et ça paye. Ça paye. Regarde, avec ça, Oscar. Génial, le spin scorer. Voilà. De chez Stuki, coloris bleu. Ok, thank you. Ok, ils viennent d'enchaîner 5 poissons dans le même trou en quelques minutes. Il m'a dit c'est le trou de la folie, il faut que vous veniez, c'est quasiment sûr que vous en faites. C'est dur là. Watch. Allez, go. Il y a Ronnie qui vient de nous appeler en nous disant qu'ils viennent d'enchaîner 5 poissons. Du coup, on doit traverser tout le lac. Et on est à bout de force avec Oscar en vérité. Parce qu'on n'arrête pas de marcher dans la neige et c'est. Physiquement, c'est très très violent. Là, Goodzy, il est en train de pêcher avec un poisson, on vous montrera après, c'est un poisson qui est une imitation, mais genre hyper naturel, quoi. Elles sont photoréalistes. Ouais, ok. C'est photoréaliste, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris des photos de peau de poisson. Oh, non ? J'ai cru qu'il y avait une touche. Ouais, donc ils ont pris une photo. Ah, c'est ça, ils ont pris une photo de peau de poisson et après, ils l'ont imprimé directement sur les leurres pour que ce soit photoréaliste. Excellent. Shot, scheisse. Scheisse ! Il est chaud. Poisson pour goûter. Avec le leurre. Oh, Fario. Oh, belle Fario. Super, Goodzy. Oh, magnifique, Goodzy. Regardez. Oh, là, encore une. Piège qui fait un magnifique Fario. Oh, ouais, superbe. Waouh. Superbe. Bravo, Goodzy. Elle est belle, hein. Ouais, elle, est elle est magnifique. Oh, attention. Elle est splendide. Ouais. Voilà, avec un. Oui, là, il est avec un vrai poisson, ouais, non. Un vrai poisson, on dirait. C'est un vrai poisson. Ils réagissent pas aux coloris que j'utilise pour le moment. C'est des mini touches, mais c'est vraiment des toutes petites touches, quoi. Touche. Allez. Allez, les bleus. Comme tout à l'heure, à change and after one fish. Oh, j'ai refait la même connerie que tout à l'heure. Because I put this here. Oh la vache, toi. So then, yeah, okay. We yeah. Take so. Okay. And now you have to feel in. Okay. You can take another rod if you want. No, I can. I want to try like this. Mehr so auf Fisch. These fish. Ja, ich mit so Tiroler. He's here.
Ah, oh, loupé. Oh non, cassé. Oh, oh. Cassé. You have a tick. Oui, oui, I had the fish. No, really? Real. Oscar, le meilleur moment de la journée. Ah oui, clairement. Là, on en a besoin, là. Ouais, on a besoin. J'ai trop faim. J'ai trop faim. Fromage d'Alpage d'ici. Oh là là. Le meilleur moment de la journée, on est avec toute l'équipe, on est tous là. Quoi vous dire de plus, à part bah, j'espère que vous avez passé un moment qui est ouf aussi avec nous. N'oubliez pas qu'il y a l'épisode numéro 2 qui arrive du coup dans 2 jours sur la chaîne Fish Explorer avec toutes les prises de Oscar et de Cybèle, ça va être juste incroyable. On n'oublie pas également, si vous ne l'avez pas encore fait, de mettre le commentaire et de vous abonner à ma chaîne et celle de Fish Explorer. Pour le jeu concours, on vous régale, on a envie de vous faire aussi plaisir. Et puis j'espère que vous allez être nombreux à participer à ce jeu. Nous, on a passé un moment incroyable avec Cybèle, avec Oscar, c'était ouf. Moi, je vais en garder un souvenir de malade. On se donne rendez-vous du coup les mardis pour de la pêche au toc comme d'habitude et pour des futures vidéos pêche au leurre qui seront, bah, je pense, ouf parce qu'on a plein de choses à essayer au niveau du matériel de Stucky. Ça va être une aventure de malade. On vous dit à bientôt. Nous, on va manger. Thank you for the team of Stucky and thank you for Gusti, the best man here. The best. Ciao. Ciao, ciao.